J'espère que tout va bien, on les gars, c'est Zaki Lyon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va au centre Fisk pour faire la mission. À toutes les unités, officiers sous les balles. Dans le quartier de Little Tokyo, terminé. Et on s'occupera du reste plus tard. On s'occupera du reste après la mission principale, parce que être le... Rangez ça là. En attendant le retour de Miles, le mieux qu'on puisse faire, c'est de nourrir tout le monde. Oh, Peter, je suis si contente de te voir. Comment tu te sens? Je vais bien. Et toi, Tante May, tu t'en sors? Oui, mais je n'arrête pas. Oh, laisse-moi te... Oh, doucement. Je vais bien. Mais, c'est pas toi qui m'as dit un jour que je devais accepter d'être un humain comme tous les autres? Toi et Ben, vous avez le don de retourner mes paroles contre moi. Je vais bien, Peter. Un peu surmené, c'est tout. Il est où, Miles? Il peut pas t'aider un peu? Oh, mais si. Il est parti chercher des fournitures médicales au centre. C'est fou à quelle vitesse on consomme les antibiotiques. Voilà ce qu'on va faire. Toi, tu prends un moment pour décompresser. Moi, je m'occupe de la cargaison et j'appelle Miles, d'accord? Bien. Mon amour-propre de Parker a été blessé, il faut le choyer. Allez, Miles, réponds. Je me fais déjà assez de soucis pour Tante May. Allons-y. Balade. Comment des prisonniers ont pu faire ça? On dirait qu'un bulldozer atomique est passé par là. Je peux pas faire demi-tour. Le fils a besoin de ses antibiotiques. T'as entendu le bruit qu'a fait sa tête quand le gros l'a frappé? Comme un moustique sur un pare-brise. Splash! Tout ça parce qu'il a fait une blague sur sa tenue? C'est un truc de fou! Ce mec est complètement... Vite, une diversion. Complètement... Mon app de piratage. C'est quoi ce bruit? J'ai quelques secondes. Je devrais pouvoir passer par-dessus ce mur. Il y a une pharmacie dans cette tente. C'est plus facile que prévu. J'ai une bête. Gaz, désinfectant, mais pas d'antibiotiques. Je dois chercher encore. L'autre aussi, tant qu'il soit avec nous. Hé, vous, venez par là! Ok, c'est bon, deux secondes. C'est quoi ce bruit? Ça peut s'arrêter très vite. T'as juste à nous dire où et quand... Il y a d'autres réserves par là. Il faut que je contourne ces types. J'ai pas cet informat. J'aime pas avoir ça. Ça me fit. Donne-moi pourquoi ces super types veulent à tout prix s'en prendre au centre d'aide. C'est rapport à Osborne. Montrer qu'il est faible et qu'il n'est pas capable de protéger la ville. Tout ça pour ça. Enfin, moi, du moment qu'il me laisse garder le matos qu'on trouve, je m'en tape. Pareil, ces trucs valent une fortune sur le marché noir. C'est quoi le bruit? Pas vite s'y remettre. Les gars de chez Sable, on les tente de provisions. Croise les doigts. On dirait qu'ils veulent se des garder kits notre matériel. De premiers soins, mais pas d'antibiotiques. Je vais bien trouver. Faut que j'évite ce sniper. Détends-toi, vieux. Tout le monde aura sa part. Personne n'essaie de nous. Mec, c'est quoi le bruit? D'autres réserves. Faites que ce soit la bonne. Oh. Amoxicilline. Parfait. Ce mec est vraiment très grand. Ah,
voilà le bulldozer atomique. Le planning. Bon. Je vais modifier le... Le niveau du jeu parce que... Car... Ouais, en fait, je suis déjà... Parce qu'avant, je mettais... Incroyable Spider-Man, mais maintenant, c'est... Quartier sympa Spider-Man. Les lignes de ravitaillement. Vite ! Yaskadal ! Messieurs, excusez-le. Mon associé est... un peu rustre. Il ne connaît rien à l'art délicat de la persuasion. Arrêtez ! Oh ! Je n'ai pas besoin de voir ça. Ah. Oh. C'était quoi ? Va voir. Vite ! Je crois pas qu'il m'ait vu. C'est le moment de fuir. Peut-être me faufiler par-dessous. Viens là, microbe. Il va me voir si je détourne pas son attention. On s'amuse avec lumière maintenant. Je m'amuserai avec la tête. Montre-toi et je te promets de pas t'écraser. Pitié, faites qu'il me voit pas. Faites qu'il me voit pas. Je crois pas qu'il m'ait vu. C'est le moment de fuir. Non ! Je sais que t'es là ! Montre-toi ! J'ai pas de temps à perdre. Le tunnel. Je peux peut-être me faufiler par-dessous. On s'amuse avec lumière maintenant ! Je m'amuserai avec ta tête contre toi ! Et je te promets de pas t'écraser. Pitié, tu me vois pas. Quelqu'un me voit pas. Thank you.
Je crois pas qu'il m'ait vu. C'est le moment de fou. Ah, je sais que t'es là. Montre-toi. J'ai pas de temps à perdre. Le tunnel. Je peux peut-être me faufiler par-dessous. On s'amuse avec lumière maintenant. Je m'amuserai avec ta tête. Montre-toi et je te promets de pas t'écraser. Pitié, faites qu'il me voit pas. Faites qu'il me voit pas. Ça. Go. Encore un peu. Quelle chance. Je te trouverai.
dégager le passage. Prévenir mec que je les ai. Lâchez-moi! Donne ton portefeuille! Au secours! Hé, hey, laissez-le tranquille! Grosse erreur, gamin. Oh, on bouscule pas les gens comme ça! Quoi ? Comme ça ? Ok. C'est qui mordrait ? Les hanches droites. Qu'est-ce qu'il raconte ? Dans deux secondes, il racontera plus grand-chose. Allez ! Oh. T'en veux aussi ? Allez, je vais effacer parce que... Oh non, c'est bon. Il va devenir Spider-Man. Je travaille mes répliques de baston. Il va devenir Marvel Spider-Man. Enfin, l'autre Spider-Man. Miles, hey, j'arrivais pas à joindre. Tu vas bien? Hey, au fait, vous énervez pas, mais il y a un truc qu'il faut que je vous raconte. Alors là, c'est vraiment du Miles. En fait, aujourd'hui c'est le week-end, donc pas de travail, libre de faire ça et ça. C'est impressionnant, Miles. Reste à proximité du filtre. On sait jamais. Les détenus pourraient s'en prendre en refuge. Ouais, j'ai pris de l'avance. S'il arrive quoi que ce soit d'autre ici, je vous tiens au jus. Super. Merci, Miles. Yuri. J'ai compris le plan de Reno. Il s'en prend au centre d'aide d'Oscorp. Je pense savoir où il va faire son prochain coup. On nous a signalé un éventuel séisme, voire beaucoup de casse dans le centre de Harlem. Ça lui ressemble. Je me rends là-bas. Ça va comme vous voulez. Je suis crevé, mais je tiens le coup. On va s'en sortir. Gardez espoir. Entre Fisk, les criminels échappés et... des super vilains échappés. Bordel, qu'est-ce que c'est? Tout le monde veut ma peau. C'est comme Batman. Batman 1, je vais dire. Alarmiste, paranoïaque, obsédé du complot. Alors, on a cassé du sucre sur le dos. Mais après plusieurs années à tenter de vous avertir, la sentence est tombée. Spider-Man nous a plongé en plein cataclysme. Pourquoi je l'accuse lui plutôt que Martin Lee? Lui aussi je le pointe du doigt. Qu'on le traduise en justice et puis ça. Mais c'est un criminel désaxé. Il fait ce qu'on attend de lui. Alors que Spider-Man se prend pour un héros. Il était clairement au courant de la menace et il ne nous a pas prévenus. Soit il comptait s'en occuper tout seul, ce qui tient de la négligence criminelle, soit il était dans la combine, ce qui fait de lui aussi un terroriste. Ah. Sable veut ma barre. Donc, comme je le disais, dans Batman 1... À toutes les unités, on nous signale plusieurs fusillades au volant.
la police et les criminels veulent ma peau. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas fait de Batman. Faudra que j'arrive à la fin. À la finir, parce que là, j'en voulais vraiment le faire, mais j'ai pas eu le temps. Et j'ai pas réussi à compléter à 100%. Alors même si j'ai pas réussi à faire l'énigme de Batman, enfin l'énigme de l'homme mystère, je le ferai. Et oui, ça, j'ai failli oublier, mais je me suis rappelé de comme ça, quoi. Wouhou! Oh. What? Hop, hop, hop. 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 Papa time. Papa time. What? Équipe de service centrale, quelle est notre situation? Ça va toiler aujourd'hui. Centrale, violation de la loi martiale, article 237. Nous avons arrêté un recrutement illégal de civils. Veuillez nous indiquer la marche à suivre. Illégal? Innocent, oui. Ah ou. Oh. Eh ben, c'était. Tout le monde est plus petit que moi, Hank. Ou on pourrait aussi en discuter. Il a dit punk. Rino, tu joues l'équipe maintenant. Je te voyais solitaire. La fin et les moyens, Hank. Tout réduit à ça. C'est quoi la fin de ce moyen là au juste? Tapage de fesses. Tapage de fesses. Plus de rhino. Allez, je te tape dans les fesses. T'as le droit à 2 fessées. T'as le droit à. Non, à 5 fessées. Non, 4. Je sais pas compter. Oh, je l'aimais bien cette tenue. Elle te va bien. Pas de tenue, moins de problème. Allez, traite ta pêcheuse dans ton visage. Finissons sans. N'envoyez jamais un enfant de 8 tonnes faire le travail d'un homme. Finissons-en! Oh merde! Scorpion, je t'aime bien, mais c'est mal poli de couper la parole comme ça! Qu'est-ce que t'aurais fait si j'étais pas arrivé? Tu l'aurais supplié d'arrêter? Oui, Carla! C'est exactement ce que j'aurais fait! Oh, on dirait un vieux couple! Trop mignon! Octavius, vous êtes déjà trouvé un nom? Le club des 6? Les 6 à points? Qu'est-ce que tu dis des 6 pour tuer Spider-Man et accrocher sa tête au mur? Carcan, arrête! Ridiculise! Dégage, Carcan! Laisse de bourrin! C'est toi qui es sur mon bras! Je vais clouer Scorpion au sol! Et tu as de la mêlée! Attrape-le, imbécile! Attrape-le! Viens plutôt m'aider!
compris? Il y en aura assez pour tout le monde. Le gros d'abord, non, c'est le gros d'abord et le... Le gros d'abord et le... Rino veut enlever sa tenue. Et toi, c'est ce que t'as dit, t'as promis, scorpion. Darkon n'a pas de principe. Il se bat pourtant ici. C'est faux. Je tuerai Spider-Man pour le plaisir. L'argent n'est qu'un plus. Comment t'as pu te faire avoir? À toi, ma petite concentrée. Si tu nous fais échouer, Gargan, tu connaîtras la douleur qu'afflige cette tenue. Essaie, Péril Rouge. Je vais t'en sortir, moi. Péril Rouge. Morceau. Comment ça on peut me sentir de trop? Vous voulez que je vous laisse régler ça tout seul? Maintenant, un scorpion. Il faut que je trouve de quoi lui lancer des toiles. Aïe 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 aïe. J'ai pas vu. Oh merde. Mais. Le scorpion est coincé. C'est le moment. Yeah.
s'il découvre que t'as échoué ? Que j'ai échoué ? Eh ouais, espèce de demeuré ! Je vais passer un peu de temps ensemble. Vous finirez peut-être par vous entendre. Yuri, et deux quatre. Il reste plus qu'Octavius et Lee. Ils ne se laisseront sûrement pas faire. Ceci dit, ce n'est pas notre seul problème. L'épidémie du souffle du diable continue de s'aggraver et Oscorp reste vague au sujet du sérum. J'ai peur qu'ils essaient d'en tirer profit. Ça m'étonnerait pas de la part de notre chère mère. Je m'occupe du souffle du diable. J'ai quelqu'un sur le coup. Ouh. Salut Peter, j'ai parcouru les bases municipales, nationales et fédérales. Si le laboratoire secret existe, il n'y en a aucune trace. Le dernier endroit qui me reste à fouiller, c'est les fichiers personnels de Norman. J'ai déjà fouillé dans son ordi au bureau. Tu voudrais que je m'infiltre dans son appart ? Sable a posté des agents dans tout l'immeuble. S'ils m'aperçoivent, la fusillade risque de faire des victimes. Je sais, mais peut-être que moi, je peux le faire discrètement. J'entre en douce, j'obtiens l'adresse du labo, je m'en vais. Au moindre problème, je t'appelle en renfort. Ok, c'est risqué, mais on a besoin de cette adresse. Attends que je me poste pas loin avant de te lancer. Je me tiendrai prête. Pour l'instant, moi, je vais libérer quelques gardes otages. On nous signale des tirs de snipers sur agent de police. Agent disponible demandé à Manhattanville. Un nombre croissant d'auditeurs nous alerte sur les agents de Sable qui, sous prétexte de nous protéger, se comportent de plus en plus comme des occupants hostiles. On prend un nouvel appel. Allez-y! Ils veulent pas me laisser entrer dans mon immeuble. Quarantaine, ils me disent. Je leur dis ok, je rentre et je bouge plus d'ici. Ils ont sorti leur flingue et m'ont viré comme si j'étais un criminel. J'ai nulle part où aller. Votre témoignage me choque profondément. Je vous promets d'en aviser les autorités compétentes. La crise ne doit pas servir de prétexte pour piétiner les droits de l'homme. Si vos élus n'ont pas l'intention de se battre pour vous, J. Jonah Jameson est remonté à bloc. J. Jonah Jameson est... Bon, il y en a d'autres par là. Je vais faire discretos. Discretos. Ni vu, ni connu. Le Spider-Man s'infiltre. Et sauve la mise. Lui là, il me voit pas. Coucou. Maintenant je peux me concentrer sur les otages. J'ai les yeux qui se ferment, un café me ferait pas de mal. AS 1610, au rapport.
La connexion est coupée. Envoyez un agent sur place. Je vais voir sa dernière position. Agent manquant, sécurisez la zone. Spider-Man, attaquez! Il faudra bien qu'il sorte. Ah, je vois. J'ai besoin de quelqu'un en renfort. Attention, je crois qu'on a de la visite. Ah, ça va, ils sont toujours... Ils sont toujours... Juste me faire une technique, me rappeler des techniques latérales parce que combat aérien. Parcours. Attendez, coup de pied latéral. Ah, pour faire des... D'accord. C'est comme ça. Je me suis pas souvenu en fait. Parcours et combat aérien. Ah, coup de pied latéral. Maintenir... D'accord. Je dois me débarrasser de leur armure.
vidéo. Les dodos. En affaire. Il en reste plus. Voyons ce qui manigançait. Capitaine, les types de sable ont apparemment expulsé tous les habitants d'un immeuble pour en prendre possession. Et ils ont coffré les récalcitrants. Ok, je devrais pouvoir faire quelque chose. Mais il faut qu'une victime accepte de témoigner. Je vais les libérer, et je vais faire en sorte qu'ils portent plainte. Ennemi confirmé, c'est Spider-Man, abattez-le! Mais alors, quand vous étiez petit, vous disiez « Quand je serai grand, je serai un oppresseur fasciste !» Ouais, ça m'étonnerait pas. À l'attaque, maintenant! À terre! Frappe-le! On va bien se marrer. On attaque ici. Vrais criminels dans la région. Spider-Man, vos doutes étaient fondés. Les personnes expulsées dorment dans des refuges ou directement dans la rue. Je sais ce que ça fait d'avoir disparu en l'air. Ces agents de sable ont de la chance de porter des protections parce que je risque de perdre mon sang-froid. Ah oui, des coups. Ah oui, des gumbos. Ah bah c'est pas. Les agents de sable, au secours! Je me fais attaquer par des agents de sable. Hey, ah oui, ah bah non. Oh, mais il y en a combien? Cette fois.
Ah, je me suis trompé. Attaquez. Ouf. Et coupez. Les gens qui étaient détenus regagnent maintenant leurs appartements. Parfait. Et j'ai réussi à faire entendre au cabinet du maire que de mettre des électeurs à la rue n'était pas dans leur intérêt. Ça n'arrivera donc plus. Je peux toujours commencer quand je veux. Mais là, c'était vraiment fatigant. Donc si je vais pas le faire. Oh et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me faire un commentaire. Moi, je vais faire. Moi, je vais mettre un peu. Faire un peu de. Je vais compléter un peu les. Ça là, et ensuite, je vais. Voir si je peux. Refaire les. Voir si je peux me faire une nouvelle tenue. Parce que celle-là, c'est l'original, alors que celle-là, c'est la nouvelle. Mais celle-là. Non, celle-là, elle a l'air pas bien. Enfin, elle a l'air pas mal, je veux dire. Je la mets. Et celle-là. Celle-là aussi. Et celle-là aussi. Mais je le ferai. Je vais la mettre déjà. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao les gars!